mon bien-aimé, n'hésite pas à élever ton esprit jusqu'à moi pour te réjouir en ma présence. Savoure la sérénité qui t'inonde quand mon esprit vient habiter en toi. C'est ma présence, mon esprit en toi, qui te confirme que tu es vraiment mon enfant. Ma présence parle de paix à ton esprit et elle l'apaise. Elle libère ta conscience de toute condamnation. Elle te donne le pouvoir d'affronter la vie avec confiance. Ma paix, qui surpasse toute intelligence, est la conscience de ma présence à tes côtés et en toi. J'éprouve un immense plaisir à te donner mon esprit de cette façon intime. C'est de cette manière que tu es supposé vivre en moi, non en conflit, mais dans une entente perpétuelle. Moi en toi, toi en moi, mais il y a plus. Ma paix va fortifier et guérir ton corps mortel. Car lorsque je suis en toi, celui-ci devient mon temple, mon sanctuaire particulier. Lorsque tu es conscient de ma présence qui demeure en toi, tu ne considères plus ton corps comme un simple organisme vivant, mais tu réalises qu'il est une résidence royale. C'est le grand honneur que je lui fais. Il n'est plus seulement à toi. Tu ne le traites plus comme tu le veux. Je l'ai créé et racheté au prix de ma vie. Je soutiens ses actions par ma puissance. Je pourvois à sa santé et à sa guérison. Mon enfant, ne maltraite pas et ne néglige pas le corps que nous partageons. Prends soin de ma demeure, garde ton corps pur, propre et sain pour que je m'y sente à l'aise. Ne souille pas, ne profane pas et ne néglige pas ma résidence royale. Ne suis-je pas venu à toi dans la paix et dans la pureté, tu dois tenir ma demeure propre. Tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps peut être purifié. L'impact de ma présence apaisante commencera à te recréer. Ouvre les portes et laisse-moi m'engouffrer en toi comme un vent impétueux. Permets-moi d'expulser la poussière, les débris et les souillures de ton passé, chaque domaine dans lequel nous avons vécu en conflit. Réconcilions-nous.